Événement rare pour être souligné à Mayotte, deux jeunes tortues ont été remises à l'eau cet après-midi. Elles ont bénéficié des soins du réseau Échange Mahorais des mammifères marins. Un peu à l'étroit, Léopold et Georgette n'ont plus que quelques minutes à attendre avant de rejoindre l'océan. Récupérée par le réseau échouage avec deux hameçons dans l'œsophage, la plus jeune a été sauvée grâce à l'intervention chirurgicale d'un vétérinaire. La rapidité de signalement est primordiale. Si on attend, la tortue est en très mauvais état, elle est bien infectée, et donc là, ça devient beaucoup plus compliqué, les chances de survie sont très restreintes. Donc quand on tombe sur une tortue, qui on contacte ? En fait, on appelle le réseau échouage, c'est le REMAT, c'est le réseau échouage local, et le numéro, c'est le 06 39 69 41 41. À deux pas de l'embarcadère de l'Amphidrome, l'opération mise à l'eau a débuté avec le nettoyage de la plage. La gestion de déchets est une des causes de mortalité de la faune marine. Beaucoup d'animaux marins prennent tout ce qui flotte, tous les déchets qui flottent. Donc tout à la poubelle et même les tout petits morceaux de plastique que vous trouvez. Il faut tout mettre à la poubelle et que vous fassiez passer surtout ce message auprès de tout votre entourage. Léopold a, elle, été récupérée par des douaniers lors d'un flagrant délit de braconnage vendredi 8 août. Cette mission de la douane au titre de la Convention de Washington sur les espèces protégées est encore à développer à Mayotte. Comme dans tout domaine, c'est les rencontres qui permettent après de multiplier les contrôles par la suite. Donc on a eu l'occasion de discuter avec les gens du parc marin. On va très certainement les rencontrer par la suite et puis voir dans quel domaine et comment on peut contribuer à la protection des espèces, notamment des tortues. Le cas de ces deux tortues appuie le projet de création d'un centre de soins pour cette espèce. Une étude est en cours au sein du parc marin. Centre de soins pour les tortues marines dans un premier temps, puis voir pour la faune sauvage de manière plus générale et voir si on ne pourrait pas aussi l'ouvrir au public pour pouvoir sensibiliser un maximum de monde. Donc on aura les résultats, les conclusions de cette étude de faisabilité dans un ou deux mois. Mais on sait déjà qu'à présent, on est capable d'opérer et de sauver des tortues qui ont ingéré des hameçons, donc on est plein d'espoir sur les résultats de ce projet. Avec un peu d'aide, les deux tortues vertes ont regagné les eaux calmes du lagon. Dans quelques années, elles pèseront 120 kg pour une taille d'1,20 m.